Amis tireurs, bonjour. Nous nous retrouvons sur le terrain pour l'essai de deux nouvelles armes cette fois-ci. Alors, vous m'excuserez, je parle du nez parce qu'en fait, j'ai eu une septoplastie, c'est-à-dire un redressement de la cloison nasale. C'est une opération qui consiste à redresser la cloison nasale pour mieux respirer. Mais pendant des semaines et voire des mois, on a le nez plus ou moins bouché, on est très gêné après cette opération. Alors, je ne vais pas vous parler de la septoplastie, c'est complètement hors sujet. Par contre, si ça vous intéresse comme sujet, n'hésitez pas à me poser des questions sur le site, dans les commentaires. Ils ne paraîtront pas sur le site et je ne vous répondrai pas sur le site, mais je vous répondrai directement. Je m'engage à répondre à toutes vos questions parce que c'est un sujet qui est méconnu. Et si vous avez des questions, j'y répondrai. Bon, maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse, l'essai de deux nouvelles armes. Ce sont des modèles très attendus, qu'on n'avait pas réussi à se procurer jusqu'à maintenant. Alors, faut que je l'ouvre dans le bon sens, voilà. C'est déjà le CZ Shadow 2, qui est vraiment un très très beau modèle. On avait essayé le Shadow il y a déjà pas mal de temps. Le Shadow 2, ben, il a encore des améliorations par rapport au Shadow. Et vraiment, c'est un très très beau pistolet. Et puis, ben, cerise sur le gâteau, non seulement j'ai ce CZ Shadow, mais en plus, on m'a prêté le CZ TS. Et ça, c'est vraiment... C'est un CZ Shadow amélioré. Et c'est la Rolls-Royce. Alors, il est dans une mallette immense qui n'est pas justifiée par la taille du pistolet. Il est un tout petit peu plus long. Il a un canon de 5 pouces au lieu de 4 pouces 3 quarts, mais ce n'est pas ça qui change grand-chose. C'est justifié surtout parce qu'il a la possibilité qu'on emmène des tas d'accessoires. Alors... Vous allez voir que ce Shadow TS, il est extrêmement intéressant. Je suis un peu gêné par cette palette parce qu'elle est trop grande. Tous les deux, en fait, tous les deux sont en calibre 9 mm Parabellum. Alors, je vais déjà les sécuriser. Elle est dure à reculer, la culasse. Là. Je vais vous expliquer pourquoi elle est si dure à reculer. Voilà. Tous les deux sont livrés avec trois chargeurs. Bon, je reprends parce qu'il y a eu une coupure de la batterie. Donc, je disais que ce Shadow 2, il était livré avec trois chargeurs de 18 coups. Il y a marqué 17, mais en fait, on met 18 coups et j'ai vu qu'il était... Ouais, c'est bizarre, ils sont marqués 49 mm, 40. Il y a une petite erreur. Ouais. Il y a une petite erreur. Ils ont dû mélanger les chargeurs, ils m'ont donné deux chargeurs de 40 mm, de 40 Smith & Wesson. Remarque, j'ai l'impression que c'est exactement les mêmes en fait. Hein. 40, non, tous les trois chargeurs. Ah non, d'accord, non. C'est effectivement les mêmes. Il y a marqué 40 mm d'un côté et 9 mm de l'autre, j'avais pas regardé d'assez près. Donc là, les chargeurs sont interchangeables, et celui-là, par contre, le TS, c'est un chargeur de 9 paras. Lui, apparemment, je pense pas qu'il soit interchangeable avec un 40. Bon, alors je reprends. Donc, ce Shadow 2 est livré avec 3 chargeurs de 18 coups. Et le Shadow TS, Tactical Sport, est livré avec 3 chargeurs de 20 coups. Alors ça paraît d'ailleurs assez étonnant parce que ces chargeurs de 20 coups, ils sont plus petits encore que le chargeur de 18 coups. Le chargeur des 18 coups, on voit bien qu'il a un talon plus 2. Le chargeur de 20 coups, il n'a pas de talon plus 2 et il contient 20 coups. Alors, comment est-ce possible? J'ai regardé d'un petit peu plus près. En fait, il est plus large. Il est plus large, ce qui permet de gagner avec la pile imbriquée. Alors du coup, il n'est pas interchangeable, on ne peut pas mettre le chargeur d'un TS dans un Shadow 2. Et le contraire, on ne peut pas mettre un chargeur de Shadow 2 dans un TS. Donc c'est bien une spécificité de ce Shadow TS. Mais il y en a d'autres des spécificités. Il est un petit peu plus long, il a un canon un petit peu plus long. Il a une détente droite, il est en simple action, il n'est pas en simple et double action, il est en simple action. Il a un repose-pouce sur le côté gauche.
Donc il y a un certain nombre de choses en plus, mais surtout, je disais, c'est la Rolls-Royce. Et là, on s'en rend compte parce que quand on regarde, ces armes sont livrées avec une cible test. Une cible test, le Shadow 2, il y a trois coups qui sont espacés de 60 mm. Ça n'a rien d'extraordinaire. 60 mm sur trois coups, c'est pas vraiment extraordinaire. Et le TS, la cible test du TS, c'est 5 coups qui sont espacés de 23 mm. Alors ça, c'est quand même assez extraordinaire. Moi, je me méfie toujours des cibles test parce que ça ne correspond pas toujours à ce qu'on va trouver sur le terrain. On ne sait pas toujours avec quelle munition ça a été fait. Mais généralement, chez CZ, c'est fait avec des munitions Cellier Bello et ça correspond quand même à une réalité. Quand on voit la différence de précision entre ces deux modèles, on peut franchement se poser des questions. Mais quand on les démonte, on répond déjà largement aux questions qu'on peut se poser. Parce que ce Shadow 2, qui est comme un CZ-75 avec une carcasse qui va guider jusqu'à l'extrémité, c'est un CZ-75 amélioré, mais il se démonte comme un CZ-75. On prend la culasse, on la retire, puis c'est tout. Quand on veut démonter la culasse du Tactical Sport, il faut vraiment tirer pour arriver à l'enlever. Et pour la remettre, il faut vraiment la mettre parfaitement dans l'alignement, sinon ça ne rentre pas. Et ensuite, on la met, on se rend compte qu'il n'y a aucun jeu. C'est vraiment, c'est même pas un frottement gras, c'est vraiment un frottement presque dur, parce que vraiment l'ajustage, j'ai jamais vu un ajustage pareil. Avec un ajustage pareil, on comprend qu'on gagne certainement en précision en cible. Donc voilà, on va regarder ça de près. C'est très très intéressant, ça va être très intéressant de faire le parallèle entre les deux armes et de voir la différence de précision. J'ai hâte de faire les essais. Et puis bah Jean, si tu veux me rejoindre et puis jeter un petit coup d'œil sur ces deux pistolets, je pense que tu auras aussi plaisir à les essayer. Bonjour à tous. Oui, effectivement, comme le disait Michel, on attendait ce matériel de chez CZ. Alors bon, comme je l'ai déjà dit précédemment, on est sur une qualité armurière de grande qualité, CZ. Et comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, quand on comparait justement le 775 au Glock 17, le 775 pour sa platine double simple action et le Glock pour sa Soft Action, c'était vraiment les deux meilleurs rapports qualité-prix dans ces armes de poing au niveau des PA, en grande capacité. Alors, vous voyez, j'en parlais dans les vidéos précédentes, on regarde toujours, je vais descendre sur l'arme, je commence par les instruments de visée, et on retrouve un guidon avec une fibre optique, et ce sur les deux. Malgré sur des armes qui sont quasiment des armes de match, quoi. Parce que là, on va tomber vraiment sur des armes de match. Ah oui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette fibre optique, elle intéresse même les tireurs sportifs. À la base, ces fibres optiques étaient plus destinées, les chasseurs l'employaient beaucoup sur les carabines de battu et autres. Et là, on a une prise de visée vraiment extrêmement fine et surtout pour les opérationnels rapides. Cette fibre optique va nous permettre de fixer justement la cible et d'ouvrir le feu derrière. Et là, dans le tir sportif, ça va nous permettre aussi de bien se fixer tout de suite de manière à gagner du temps. Parce que la prise de visée, en réalité, sur une prise de visée, plus vous allez mettre de temps et plus vous avez de chances de faire vraiment un tir ouvert. Le but, c'est de réduire ce temps d'attente entre la prise de visée et le départ du coup. Voilà, c'est ça qui est important. Je ne l'ai pas précisé, j'aurais dû le préciser aussi, ces armes, elles ont vraiment une vocation sportive, c'est l'IPSC. Le Shadow 2, il est pour l'IPSC en catégorie production et le Shadow TS, il est pour l'IPSC en catégorie standard. Donc, ils répondent vraiment à des critères très précis. Mais ils peuvent intéresser aussi des tireurs sportifs qui veulent simplement se payer une très belle arme. Quand je disais tout à l'heure, il y a une différence de prix très nette. Je crois qu'il doit être à quelque chose comme 1 300 €. Celui-là, c'est déjà pas donné. L'autre doit être à 1 800 €. C'est beaucoup plus cher, mais c'est la Rolls-Royce. Quand on voit la précision qu'on doit pouvoir obtenir avec, ça peut justifier le prix. Bon, je te laisse continuer. J'en étais aux instruments de visée.
On verra après, effectivement, par rapport au tir sportif et à l'IPSC, on est quand même, on sort là d'une arme, on voit l'évolution des Tchèques en armement, parce que partir du 775 et arriver à ce type d'OPA, là on est vraiment sur une très grande évolution, en étant justement basé sur ce 775 qui reste pour moi le meilleur PA rapport qualité-prix sur une plantine double simple action. Là, on va reprendre un feuillet de hausse. Je regarde si c'est assez ouvert. Non, c'est bien. C'est... Donc, on a vraiment deux lumières de chaque côté qui vont être assez larges de manière justement à toujours pouvoir prendre une visée assez rapide, pas trop fine. Pourquoi ? Parce qu'on a le poids de l'arme. Plus votre arme va être lourde et plus vous aurez de difficultés justement à rester en cible pour justement prendre cette visée. Le but, c'est que votre prise de visée soit assez rapide. Je vais prendre ma visée et si j'attends 15 secondes, 20 secondes, ouais, c'est surtout que je vais me mettre en apnée, donc c'est difficilement réalisable parce que ça pèse. Là, vous avez une arme quand même qui est toute acier et là, ça pèse. Donc, ce qu'il faut, c'est que vous ayez des instruments de visée qui vont vous permettre de prendre une visée assez rapide. Et là, en l'occurrence, je pointe la fibre optique. Vous allez voir, la fibre optique, pour ceux qui en ont d'ailleurs, ils vont le confirmer à leurs camarades au stand. C'est extraordinaire. Moi-même, vous voyez, j'ai acheté un Ruger, un Mark IV, pour sortir du sujet CZ, et j'ai acheté un guidon fibre optique pour le monter dessus, parce que je me suis aperçu que c'était vraiment un accessoire extrêmement utile sur une arme. Là, chance pour les acquéreurs de ce CZ, elle est déjà montée d'origine. Donc, vous allez vraiment vous faire plaisir. Le feuillet de hausse, lui, est strié, de manière à ce qu'il soit anti-reflet. Ça veut dire que dans les stands avec un éclairage arrière, voire en extérieur avec un soleil qui va venir au-dessus, vous ne serez pas justement gêné par le reflet sur ce feuillet de hausse. Donc, pas de problème. Là, on a une prise, un grip avant, un grip arrière, de manière à pouvoir manœuvrer la culasse, la glissière, c'est bien. Évitez de faire ça, sinon vous allez vous coincer à chaque fois. C'est très très bien. Pourquoi ? Parce que dessus, on a des ressorts qui sont conséquents pour pouvoir absorber du coup tout petit de cartouche. L'accessibilité aux différentes pièces qui vont vous permettre de mettre l'arme en sûreté, de renvoyer à la glissière, de la bloquer, etc. Bon, là, on est sur deux. C'est assez fin. C'est pas trop proéminent. Ce qui fait que, vous voyez, pour mettre la sûreté, je pourrais pas la mettre avec mon pouce. Je me servirais de mon pouce, mais là, on est quand même sur une arme de tir sportif. Donc, ça n'a rien d'opérationnel. Il n'y a pas de souci. Voilà, on peut. Faut la mettre avec l'autre pouce. Par contre, vous pouvez facilement l'effacer avec le pouce de la main qui porte. Il n'y a pas de problème. On a une extension ici du verrou de chargeur. Attention pour les gens qui auraient une façon de chausser leur arme, vraiment comme ça, vous voyez, le fait de mettre le doigt devant, on va mettre le pouce ici. Là, le pouce ici. Et ça sert à rien. Vaut mieux chausser ici, de manière à ne pas avoir ici la jointure entre la première et la deuxième phalange du pouce qui vient appuyer sur le ressort. De verrou de chargeur. Cela dit, bon, le ressort de verrou de chargeur, il est aussi bien bien ferme. Donc ça m'étonnerait que le chargeur, même approvisionné complet, tombe facilement. On est sur un marteau, avec une crête de marteau striée, pour avoir une meilleure prise en main sur le marteau. Et c'est vrai que là, regardez, sans problème, quoi. Si on veut... On peut prendre le marteau, hop, remettre le marteau à la battue, bon, c'est bien. On a une poignée qui va nous permettre d'avoir un grip important, avec ici quadrillage en pointe de diamant. Voilà, un travail mécanique fait de diamant, comme on l'appelle diamant, parce que là vous avez un grip vraiment important, c'est bien. La poignée est conséquente, l'arme, je vous le dis, elle est un peu lourde. Vous avez quand même la possibilité de y placer aussi des accessoires qui peuvent être une lampe, une visée laser et autres. C'est vraiment très très bien fait. Donc on va voir, on va effectivement faire des tirs en premier avec celui-ci. C'est vraiment des modèles tout acier, très lourds, ah oui. Parce qu'ils sont faits pour le tir rapide, ils ne sont pas faits pour autre chose. Et donc pour limiter au maximum le recul. Alors, et pour tirer ça. Très vite. Quand on met du poids sur une arme à l'avant comme ça, c'est pour faciliter sa remise en batterie. Pourquoi ? Parce qu'elle va moins déchausser, le poids va absorber le départ de coup et donc on aura moins à se déchausser. Le déchaussé de l'arme, c'est pas trop grave, c'est bien souvent le déchaussé au niveau de la poignée pistolet.
Pourquoi ? Parce que ça vous oblige à revenir chausser correctement votre arme. Pour ça que moi, vous voyez, sur les armes que j'emploie, j'ai toujours une chaussette qui va me permettre de bien chausser mon arme et surtout d'éviter ce, comme on dit, ce décrochage de l'arme dans ma main, quoi. Et j'ai plus de facilité. Le fait que ça recule comme ça, on remet vite en batterie, le problème, c'est que ça déchausse. Et là, je suis obligé de rechausser mon arme. Ça, c'est un inconvénient. Là, en l'occurrence, on ne l'aura pas puisqu'on a un poids d'arme extrêmement important sur l'avant et j'aurai un petit recul, mais l'arme ne va elle ne bougera pas dans ma main, quoi. Une fois que j'aurai chaussé cette arme, je vais pouvoir engager les coups les uns vers les autres sans problème. C'est important. Alors là, tout de suite, on remarque sur cette arme ici l'appui-pouce. Alors si vous regardez l'appui-pouce, il est bien fait parce qu'en plus, l'appui-pouce vous évite d'appuyer sur le verrou de chargeur. En mettant votre pouce ici, il est totalement impossible de venir déverrouiller le chargeur. Vous voyez, c'est un petit plus au niveau du tir sportif pour pouvoir reprendre justement comme ceci votre arme et vous ne pourrez pas appuyer et donc perdre votre chargeur pendant justement un parcours dans la mesure où cette arme va être utilisée pour faire de l'IPSC. Donc c'est vraiment très très bien fait, quoi. Alors Michel disait tout à l'heure, on a un ajustage très très serré. Cet ajustage très serré, c'est un gage de qualité. Vous voyez, j'ai renvoyé la glissière et c'est un petit peu serré. Alors j'espère que Michel a apporté un petit peu de graisse. On va remettre un peu de graisse pour éviter que l'arme se retrouve en incident de tir, parce que ça ne viendrait pas de l'arme, puisqu'elle est serrée, ça viendrait surtout de la personne qui emploie l'arme, parce qu'elle n'a pas lubrifié correctement cette arme. Vous voyez, c'est très serré, et la culasse ne se referme pas. Mais ça, vous inquiétez pas, il suffit de mettre du lubrifiant, et ça ressort. Mais là, en l'occurrence, elle sort de la boîte, elle a peut-être ce qu'on appelle une huile de stockage qui, le temps qu'elle soit stockée, a gommé légèrement dans la glissière, ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Quand vous prenez votre arme, ne jamais enlever une graisse qui est une graisse de rodage. Mais quand c'est une graisse de stockage, si la qualité est plus ou moins bonne, vous aurez ce genre d'incident. La glissière va coller. C'est rien, un petit pinceau avec un petit peu de pétrole, vous nettoyez. Attention, sur une huile qui gomme, pas sur une graisse de rodage. Mais là, je pense qu'il va falloir un rodage pour cette arme-là, parce que la glissière est ajustée, mais vraiment mais elle est sèche en plus. Très très fortement. Elle est complètement sèche. Oui, alors en plus, oui, elle n'a pas encore été huilée. Je passe mon doigt dessus, il n'y a rien. D'accord. Donc, ce qu'il faut faire là, c'est la démonter, la huiler, et après faire les tirs. Mettre une graisse. Il y a de très bons produits, hein, comme je vous dis, je le répète. Regardez ce qu'on avait fait la vidéo avec les produits Pierre et Chimie. Moi ici, sur moi, j'ai mon Glock, je l'ai utilisé hier. Là, je suis en train de faire un test, justement. J'en suis à 900 coups sans le démonter, sans le nettoyer. Je n'ai eu aucun incident de tir. Donc, vous voyez, c'est un gage de qualité par rapport à ce lubrifiant, cette graisse Pierre et Chimie. Pourquoi ? Parce que... Et je vais attendre d'avoir un incident de tir. Je vous tiendrai au courant. Quand je vais avoir un incident de tir, je vous dirai, voilà, j'ai tiré tant de coups sans le nettoyer. Alors, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas entretenir son matériel. Hein. N'oubliez pas la phrase qui va bien. L'entretien de l'armement est un acte de combat. Voilà. Donc, on va tout de suite passer au test, de manière à ce qu'on puisse tout de suite, nous, s'habituer mentalement à ce départ de coup. Parce que, à mon avis, si je regarde... Ah oui, oui. Oui, oui, effectivement. Ah oui, le départ est beaucoup plus léger là-dessus. Il est à moins d'un kilo. Il est à moins d'un kilo, oui. Bon, donc, c'est extrêmement fin. On a un départ qui est mais d'une finesse horlogère, sans qu'il y ait de gratté, sans rien. Vous voyez, c'est propre, c'est boum. Il suffit d'appuyer. On a des queues de détente, alors vous remarquerez tout de suite la différence entre ces deux queues de détente. Là, on est sur une queue de détente vraiment de match. C'est des accessoires qui se font beaucoup aux États-Unis. Pour les Ruger, justement, les Mark IV, chez Tandencross. Tandencross fait des queues de détente Victory, comme ça, droite. Parce que vous avez vraiment une préhension extraordinaire. On retrouvait ces queues de détente droite sur les carabines de match, 50 mètres, etc. Et c'est vraiment tip-top. Là, on est sur une queue de détente classique, vous voyez, qui est incurvée. Bon, on va voir aussi, elle est plus classique. Mais c'est vrai que ces détentes de match-là, c'est extraordinaire. Si vous avez l'occasion de les essayer, n'hésitez pas, faites-le. Et vous allez tout de suite trouver une très grande différence. Voilà, à tout à l'heure pour les essais.